t'es fort. T'as des gros muscles. Maman aussi. Nya. 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 Ah, on est musqué. Waouh, t'es fort. Comme papa. Ouais. Allez. Attention. Ça y est, tu peux y aller. Bien le bonjour tout le monde. C'est le matin, il est 10h30. Avec Eden, on va prendre l'air dehors dans l'espace vert de la résidence pendant une petite demi-heure. Ouh, tu fais pas chaud. Comme ça, Eden peut prendre l'air en attendant qu'on ait la maison. Oui, oh. Je vous assure, on peut faire le petit train, je sais pas si vous voyez là. On voit l'air. Ninou. Donc vous voyez, il y a quand même un grand espace où il peut courir, gambader. Oui, t'as vu, t'es dans l'herbe. Tiens, viens, maman elle va où? Ouah, maman aussi elle est dans l'herbe. Bida. Bida. Bla bla bla. Tu t'es foutu dans un carton. T'es bien là? Non, papa. Bah ça a l'air d'aller. Il a viré le plastique, enfin l'autre papier qui était dedans. Tu arrives plus à sortir, c'est ça le truc. Allez, donne bien la main et... Voilà. Bah toute une histoire de se mettre et de sortir de ce carton, hein. T'as de ces idées aussi, Doudouille. Coucou petit crapouillou. Coucou petit crapouillou. Kilo. Un bébé au kilo. Il est où le bébé? Ah bah non 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 non, il repart. Oh, maman était en retournée, hein. C'était rigolo. Maintenant que bébé Dylan est réveillé, je peux enfin un petit peu m'agiter. J'avais oublié, j'avais balancé la couche. Je la sors toujours les pièces pour que je les jette. Qu'elle traîne pas dans la chambre, bébé. Mais oui, mon ange. Dylan a un peu du mal le réveil là. Je pense qu'il aurait bien aimé dormir encore un peu. Oui, tu viens squatter la chambre. Notre bordel de chambre. Je peux plus voir des cartons partout, sérieux, ça me saoule. On met tout là parce qu'on sait que Eden ne peut pas choper sauf quand on ouvre. Donc ce soir nous allons au resto avec ma maman. On va tester un nouveau resto chinois qui est ouvert dans notre ville. Tombez. Ça c'est la boîte de la GoPro de papa maintenant. Et du coup je vais me changer parce que je m'étais mis en mode tenue legging avec, pour cacher bidou et pull. Et du coup une tenue un peu plus sympa quand même pour le resto. Mais confort toujours. Et puis faire quelque chose un peu à ça, parce que j'ai juste attaché mes cheveux et il y en a un qui est en train de foutre le bordel. Comme il est beau mon bébé, je lui fais les cheveux. Waouh, t'es beau. Maman, c'est pas la plus douce au monde pour les cheveux, mais c'est pas trop mal. S'il bougeait pas, on verrait bien. Et moi, je me suis changée. J'ai donc mis mon chino qui je peux fermer sur mon ventre avec mon petit haut. Tu veux lire un livre? Allez, on va lire un livre. Tiens, vous allez peut-être pouvoir voir sa coupe de cheveux si on s'assoit. T'en as mis du besoin. Hop, je vous ai posé. Moi je me pose, tu viens? Oui, ça c'est propre là. Et je croyais que tu voulais dire celui-là. Viens. Viens sur le... Vous avez vu ces petits cheveux? Hop, je les relevais un peu le devant. Petit ours brun au manège. Waouh. Petit ours. Allez viens, on ouvre aujourd'hui. Youp là. Alors aujourd'hui on avait combien mon ange? Hier on a ouvert le 9. Alors où il était déjà le 9? Maman elle s'y perd parce que t'as tout arraché. Aujourd'hui, oui, on va s'approcher. T'as raison, on est un peu loin. On va ouvrir le 10. Le 10 c'est celui-là, maman elle appuie. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vas le chercher? Il y a un truc là. Va chercher. Allez.
est compliqué à sortir, j'avoue. Lui, il a l'air bien encastré dans le truc. Oh. Oh. Un panneau. Lui, il y a écrit VTech. C'est un petit drapeau. Tu le ranges? Grande passion d'Eden. Ranger, lui, les trucs cachés. Caché le drapeau. Yeah. Tu le roues? Ah, ah bah, faut tirer. Oh. Trouver le drapeau. Bravo. Le petit drapeau. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? Oui papa, moi je touche mes pieds. Vas-y papa, touche tes pieds. Non, descendant, tricheur. Là. La fin de papa. Tu te caches derrière papa? Non. Ouais. Tu vas avoir la tête qui tourne, mon ange. Oulala, oulala. Et dans l'autre sens. Oulala. Ouais, ben, tout en prie. Il est en train de vomir alors on va tourner comme ça. Puis regarde, il marche droit. Hein. Un pro le bébé du tournage. Ouais, c'est parti. T'as donné au cochon d'eau? Waouh. On y va direct comme ça. Voilà. On fait du coup à boire et puis après. T'as donné de l'endive parce que ma maman elle a des cochons d'Inde et Eden sans qu'on le voie il a pris une endive et hop il l'a jeté. Ben, il l'a jeté derrière les fesses. Bon il a pas trop visé la tête. Mais c'est bien. C'est bien mon ange, tu nourris les animaux. Il y va tranquille. Ah bah faut pas aller trop vite, il peut être serein. Tout. C'est bien ça. Voilà. Il est content de lui. Ah, là t'es un peu dans le caca, là. Il y a plus rien pour s'attraper du côté. Et tu sais, du coup, je tenais notre main, il sait pas trop où je voulais. Ouais, non, papa, il y a un problème là. J'ai plus pour m'attacher. Là, de notre main, mamie. Voilà. Bien. Il aime bien être tenu. Il va plus serein comme ça. C'est bien. En plus, là, s'il tombe, le poids, il va changer. Ouais, c'est pas très. Ça partira pas trop. Hein. Bravo! Et on est au restaurant. Bébé, il est sur une chaise de grand et de mamie. Il y a papa aussi. On a un resto du coup chinois. C'est ça, hein? Asiatique. Et ici, ils ont bien précisé que gaspillage abusif, 5 euros de facturé. Donc il faut pas consommer ce qu'on mange pas. Un ménage. Il faut pas consommer ce qu'on mange pas. Mettre en. Ouais, ne pas manger ce qu'on mange. Parce que forcément, si on consomme, on mange. Oui. Ne pas consommer ce qu'on mange pas. Oui. Les chips. Je consomme, c'est un truc comme ça que je vais poser. Miam, 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 miam. Hein? Mamie, elle mange les bananes parce qu'Eden, du coup, il voulait pas les manger. C'est pas grave. Il y en aura plus pour. Non, ça, j'en veux pas. Oh, tu veux pas du bonbon? Eh ben, dis. Tant mieux. Moi, je t'en chips en attendant. C'est quoi comme chips, maman? C'est les chips chinois, chips, ça? Non, la crevette. Chips à la crevette. Bon, voilà, tu manges un peu de poisson, on va dire. Hein? Et on y a pris un petit sirop de fraise parce que c'est la fête. Et on est rentré du resto. On est dans, dans le sous-sol. On a eu droit à un petit calendrier. De petit calendrier de resto chinois. Faut qu'on ouvre pour voir. Et ce qui paraît, l'année prochaine, on est l'année du coq, qui m'a dit. Et c'est mon année à moi aussi. Je suis l'année du coq. Donc ma fille sera de la même année que moi. J'ai appris ça, je fais au cul. Enfin, du même signe chinois que là. Eden n'a strictement rien mangé. Non, enfin, je dis rien. C'est rien voulu. Il n'a pas voulu de tomates, il n'a pas voulu de viande, il n'a rien voulu. Il était fatigué. Tout le long, limite, il était étalé à dormir sur la table. Donc on va voir s'il veut bien son petit bibi. Bon du coup la mission ranger la chambre d'Eden parce qu'il nous a fait by dad. Papa va lui faire son bidon et au dodo la bête. Au dodo. I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. I don't wanna get you out of my system. No. Cause I like the way it feels when you touch me. Papa, il a le bibi? Ah, t'as bien compris là, hein? Biberon, biberon. Oui. Ah bah regardez-moi. Là, ça, c'est un jeté de susu. Il a bien compris qu'il y avait le bibi qui arrive. Il est pas bête. Voilà, avant de coucher Eden, je vais clôturer ce vlog sur le cadeau du jour pour le 10e jour du calendrier de l'Avent pour vous. Donc aujourd'hui est à gagner une tasse miracle. Donc c'est la tasse que
a tout le temps une haine, que vous êtes tout le temps en train de demander d'où ça vient. Donc c'est de la marque Munchkin. Tiens, j'ai une petite trace de saleté là. Hop, et du coup ils ont sorti de nouveaux coloris, je crois que c'est vert et orange, et du coup il y a la possibilité de gagner aujourd'hui une tasse miracle. Donc pour participer, n'oubliez pas, il suffit d'être 1, abonné à la chaîne YouTube, 2, d'être abonné à mon compte Instagram allomamanyt, et de 3, de commenter sous la photo du jour sur Instagram, vous verrez apparaître au cours de la journée la photo avec ce petit gobelet en mettant je participe, et si votre nom de votre compte YouTube est différent de votre nom de votre compte Instagram, précisez-le moi pour que je puisse vérifier que vous avez bien rempli les conditions. Bonne chance. Et Dan craint les chatouilles ici. I've kept my heart inside a box, threw away the key.